Bonjour Lida Tamdalali. Bonjour Soraya. Comment ça va ce matin? De retour et quel plaisir. Et Aïcha Kisselmuk, merci beaucoup. Voilà, donc on va commencer quand même par l'événement phare hein, de cette semaine. Ça va être le concert pour la Palestine en soutien au peuple palestinien. Ce sera le 20 janvier, c'est-à-dire samedi prochain. Pour ceux qui n'ont pas encore pris leur billet, il est temps d'aller donc acheter le billet. Et cet argent ira au profit, bien entendu, du peuple palestinien. C'est une initiative louable, bien entendu, de nos artistes et cette belle initiative, parce qu'il va y avoir beaucoup de monde, hein, donc je vous invite vraiment à y aller. Le billet est à 1000 dinars et les places sont limitées, donc on est dans ça. Et comme vous savez qu'actuellement, c'est aussi les rencontres liées aux arts plastiques. Actuellement, il y a pas mal d'expositions, de conférences aussi qui se font. On va revenir un peu sur l'établissement Art et Culture qui abrite l'exposition de notre ami Kamel Balatarach. Et puis vous avez aussi l'espace le Mustafa Ketub qui abrite actuellement de la céramique, des travaux liés aussi encore un peu à Yinayer, parce que Yinayer c'est aussi toute la semaine, tout le mois, on s'étale et on en profite au maximum. Donc ça c'est certain qu'il faut encore en profiter. Il y a aussi des conférences liées au patrimoine, au compte, à l'écriture. Vous avez par exemple les mercredis du Verbe organisés par l'établissement Art et Culture qui se trouve au niveau de la galerie Montori, hein, où nous allons aussi avoir des conférences. On va revenir certainement sur cette conférence demain. Et puis vous avez la galerie Aïda qui recevra cet après-midi, elle recevra un nombre important d'enfants, des enfants qui seront face à Ahmed Bedjaoui, Monsieur Cinéma. Donc ça va être une conférence dédiée au monde du cinéma et le monde des grandes salles, les salles sombres. Je sais que vous êtes une fan hein, des salles sombres. Pas des salles sombres, mais d'être face à votre PC sous la couette. Exact. Mais nous, on est beaucoup plus passionnés par ces sorties, parce que c'est aussi une sortie culturelle. C'est aussi ce délire d'être dans une salle sombre avec des gens qu'on ne connaît pas et de partager un grand moment d'émotion. Et de leur dire, voilà. Et puis il y a aussi autre chose, la Cinémathèque s'aligne aussi à tous ces films liés à Yinayer, tels que La Montagne de Baïa. Vous avez aussi Fatman Sommer et tant d'autres. Je pense surtout à la Cinémathèque de Béjaïa qui actuellement abrite toutes les séries, tous les films que l'on connaît, faits par des Algériens autour du patrimoine berbère, Kabyle, Chiaoui, Mozambique, etc. Voilà. Bon, merci beaucoup Linda. Merci à vous et à tout à l'heure pour le 100% culturel. Alors, ne ratez pas Linda, c'est à partir de 9h.